Avant de commencer, un point de vocabulaire me semble indispensable. Même parmi ceux qui se disent fans, certaines personnes se trompent complètement sur le sens de ce mot, assimilé à tort à manga amateur pornographique, généralement mettant en scène des personnages déjà existants. Sauf que pas du tout. Même si un grand nombre de doujinshi correspondent effectivement à cette appellation, cela n'en représente qu'une partie. Pour faire simple, doujinshi pourrait se traduire par fanzine, ni plus ni moins. En ce qui concerne Street Fighter, on a certes quelques nouvelles romans, mais la très très grosse majorité sont bien des mangas, au nombre de pages variables, sachant qu'assez souvent, plusieurs auteurs se relaient au sein d'un même doujinshi, tout comme dans les recueils qu'on a vus la dernière fois. Et ça peut donc être ultra hétérogène niveau qualité. Et si certains sont bien pour un public averti, cela n'est pas la majorité. Alors, je précise néanmoins que même sorti des gags, on voit assez peu de combats. Ce sont avant tout le caractère des personnages et les relations qui les unissent qui sont mises en avant. Et puis, c'est plus facile à dessiner. Alors bien entendu, ne vous attendez pas à un traitement exhaustif, ce qui de toute façon n'aurait aucun intérêt tellement les daubes sont monnaie courante. D'une part, il est juste totalement impossible d'évaluer leur nombre, à la limite en faisant un recensement dans tous les annuaires biannuels du Comiquette paru depuis 1991, mais bon, qui serait assez fou pour un tel travail de fourmi. Mais on atteint probablement le millier. Par ailleurs, la très très grosse majorité ont été publiés durant la première moitié des années 90 et sont juste devenus totalement introuvables. Si vous ne les avez pas achetés avant l'an 2000, à une époque où les librairies spécialisées en doujinshi étaient encore monnaie courante au Japon, laissez tomber. Quand c'est tiré au pire à quelques dizaines, au mieux centaines d'exemplaires, bah forcément... Bon, c'est même pas une question d'argent, ça vaut 1 ou 2 euros pour la plupart, mais c'est juste totalement et définitivement introuvable. Je ne pourrais donc vous proposer qu'une sélection basée sur une partie de ma collection personnelle, et encore, j'en ai revendu plein à une époque, mais ce que vous perdez en quantité, vous le gagnez en qualité, et c'est bien le plus important. Comme la dernière fois, ce ne sera pas nécessairement dans l'ordre chronologique, et je ne traiterai pas par titre de doujinshi, mais par nom d'auteur, ou de cercle. On commence dans le haut du panier. Au moins 9 numéros parus entre 92 et 99 qui, hormis le plus ancien, ont la particularité d'être intégralement consacrés à Gail. On y verra très très peu les autres persos du jeu, sauf Vega et un peu Sagat. Même si on a parfois quelques trucs comiques, dans l'ensemble ce sont des histoires très sérieuses, quasiment toutes du même auteur, et où on explore parfois le passé du GI, à l'époque où Nash était encore vivant. Mention spéciale aux deux numéros intitulés Dog Tag, qui totalisent 250 pages à eux deux, et racontent une longue histoire retraçant fidèlement le scénario du jeu, enfin, largement plus développé, cela va sans dire, qui mènera Gail jusqu'à son affrontement final face à Vega. Le tout fait évidemment à ces films d'action américains des années 80. On notera que l'auteur a repris une idée provenant des CD de drama, à savoir que notre héros devra tuer Nash lui-même, devenu fou sous l'emprise de la drogue de Shadow. Graphiquement, c'est très correct, plus réussi que certains mangas dits professionnels. Maintenant, c'est évident, il faut aimer Gail. Au moins 5 numéros entre 92 et 93. Là encore, auteur unique. Que de courtes histoires centrées sur Chun-Li, qui peuvent être comiques ou le plus souvent sérieuses. C'est pas ce qu'on a vu de plus beau, mais ça reste très regardable, et les histoires sont relativement intéressantes. Notons qu'une publicité dans un des volumes annonce la sortie par le même auteur d'un numéro pour adultes, mais que je n'ai jamais vu. J'ai mis deux noms car ils ont fait de nombreuses collaborations. On leur doit d'une part la série des Sekaide Ichiban Tsuyo Iyatsu, au moins 9 numéros entre 92 et 94, mais aussi diverses autres publications jusqu'en 96. Ce sont essentiellement des gags centrés sur Ryu, qui passe par voie vraiment pour le roi des crétins, et le fait qu'il soit SDF le rend souvent victime de raillerie de la part des autres Street Fighter. Ken est également assez mis en avant. Deux auteurs principaux se relaient, dont un qui, encore de nos jours, continue à faire du Street Fighter 30 ans après. Alors, ces deux-là ont un niveau correct, mais les autres, c'est souvent très moche. Notons que plusieurs numéros parodient le film animé. Enfin, les 2-3 derniers numéros proposent étrangement des histoires beaucoup plus sérieuses. Au moins 9 numéros entre 94 et 96 d'un seul auteur principal. C'est très clairement centré sur Ken, et le fait qu'il est amoureux de Ryu, qui en a autant sans service, mais c'est traité de manière humoristique.
Si vous êtes allergique au yaoi, pas de danger, il n'y a pas ne serait-ce qu'un baiser, ce sont des sous-entendus. Ensuite, lorsque Guy débarque à l'époque Street Fighter Zero, cela se transforme en triangle amoureux. Si vous aimez ce genre d'humour, c'est très plaisant à lire. Sinon, passez votre chemin. Au moins 8 numéros entre 92 et 93. J'en possède que 4, mais vu que le dernier porte la mention volume 8, bah logiquement... Au vu des couvertures, vous aurez compris qu'il se focalise sur Chun-Li, principalement sous forme de gag, mais c'est pas très beau. On oublie. Au moins 5 numéros entre 92 et 94. Essentiellement des gags centrés sur Ryu et Chun-Li et un peu Ken. On a aussi quelques parodies tirées du film, et une histoire où Vega réunit les boss des différents jeux de combat SNK, où ils font du cosplay de persos féminins. Lorsque c'est l'auteur principal aux commandes, qui s'occupe également des couvertures, celle du numéro 5 étant sublime, c'est graphiquement joli et assez drôle. Quand ce sont d'autres par contre, c'est affreusement laid, hormis une poignée d'illustrations. Et un numéro parle carrément des BD de Hong Kong. Au moins 2 numéros sortis en 94. Le titre des deux tomes reprend celui d'une des chansons du film, ce long métrage ayant véritablement inspiré beaucoup de fanzineux à l'époque, y compris parmi les non-joueurs, et surtout non-joueuses. Et il s'agit de gags parodiant le dit animé. Peu de pages, mais très sympa. Alors attention, là c'est un peu spécial. L'auteur a débuté dans le monde du doujin il y a 35 ans, et est toujours en activité de nos jours. Je suis tombé sur son Twitter. Mais ce n'est pas spécifiquement sur Street Fighter, même si la licence bénéficie également de ses numéros dédiés. Enfin, au moins deux en tout cas. Essentiellement Chun-Li et Camille pour être honnête. En fait, c'est avant tout consacré aux œuvres de Rumiko Takahashi, principalement Urusei Yatsura, et quelques autres jeux de combat. C'est assez joli, et comme souvent on alterne histoire sérieuse et comique. On retiendra une histoire avec Chun-Li enfant, juste avant la disparition de son père. Le Cercle, on aurait pu s'en douter vu son nom, est surtout connu pour avoir fait du Saint Seiya. Le présent volume, datant de 95, est sans doute leur seule participation au Street Fighter, et c'est bien dommage. C'est un de mes fanzines préférés. Alors, encore une fois, il parodie le film. Il y a certes de très nombreux sous-entendus yaoi, mais ça reste dans le registre humoristique. C'est très bien dessiné, et la première fois que j'ai vu la présente page, j'ai explosé de rire. Au moins deux numéros en 94 centrés sur Ken, et contrairement à d'habitude, il s'agit ici surtout de combat. C'est plutôt réussi et avec un trait agréable. L'auteur a d'ailleurs eu l'honneur de se faire éditer dans quelques recueils pro que j'avais évoqués dans ma dernière vidéo. Il y a aussi eu deux numéros en 95-96 sur Nash. Eux sont surtout connus pour des recueils de gags hilarants sur Hokuto no Ken. Ils n'ont sans doute fait que celui-là sur Street Fighter en 92. Mais pour posséder également leur doujinshi sur Ken, je trouve le présent ouvrage pas extraordinaire en comparaison. Graphiquement ça fait le job, mais il y a peu de bonnes pages et énormément de déchets. Dommage. Au moins 13 numéros entre 93 et 96, il est prolifique. Alors lui aussi on le retrouvera ensuite dans des recueils pro. Il s'agit avant tout de gags, avec souvent Ken en souffre-douleur. Surtout depuis Super Street Fighter 2X, où il est considéré comme avoir perdu pas mal en puissance. C'est sympa. Mais celui qui nous intéresse avant tout, c'est surtout celui-là, qui propose 3 histoires sur Street Fighter Zero, s'étalant sur plus de 70 pages, et qui sont d'un niveau professionnel. Du très bon boulot. Au moins 5 volumes parus au plus tard en 93. Celui que vous voyez à gauche, le numéro 5, fut un de mes tout premiers doujinshi achetés au Japon en 96. Sublime couverture, n'est-ce pas? Si seulement l'intérieur avait pu être du même niveau. Pour celle du numéro 4, vous aurez sûrement reconnu le trait de Mine Yoshizaki, dont j'ai parlé juste avant. Il a en effet participé à ce cercle. Ces deux numéros proposent plusieurs histoires, mais on n'en retiendra que deux. D'abord, une reprise de page de Dragon Ball, mais où les personnages ont été transformés en ceux de Street Fighter. Bon, pourquoi pas, mais enfin, pourquoi? Quant à l'autre, c'est du même auteur que la Chun-Li de la couverture et... Si graphiquement ça passe, c'est surtout sur le fond que j'ai du mal. On dirait du shoujo manga tendance gothique. Tenez, regardez! Vous reconnaissez Ryu et Chun-Li, vous? Pourtant, ce sont bien eux! Ah, on ne pourra pas reprocher un manque d'originalité, c'est sûr. Enfin, il y a quand même des limites. Ça dénature par trop l'univers de la franchise.
Même les BD chinoises sont plus fidèles. Avant d'entamer la période 0, je vais en passer une poignée d'autres en revue, dont je ne possède qu'un seul numéro à chaque fois. 1994, encore des parodies sur Street Fighter 2 Movie, pas mauvais mais trop peu de pages pour justifier l'achat. 1995, très semblable dans son approche à la série consacrée à Gaël que j'ai traité en début de vidéo, mais en moins bien, on peut donc s'en passer. Datant de 95, une fois n'est pas coutume, celui-ci parodie la série télé. Cette dernière étant déjà très suggestive quant aux amours masculines, cela n'a pas été très difficile à parodier. Ici, c'est Vega qui est mis en avant, dont on découvre qu'il adore les lapins nains, et qui semble tout autant attiré par Ken et Balrog que le père de Chun-Li. C'est pas forcément super bien dessiné, mais c'est relativement drôle. 94. Et si Street Fighter avait été dessiné par un sous Hirohiko Araki, le créateur de Jojo? Le style de l'auteur principal s'en inspire en effet pas mal. Ça va, mais bon, rien d'exceptionnel. Encore 94 et pour cause, ce sont encore des gags à partir du film. Le dessin est très réussi et assez fidèle à celui de l'animé. On regrettera hélas un nombre ridicule de pages, 22, et un format un peu trop grand, qui le rend difficile à le ranger convenablement dans une bibliothèque. Quelques jolies illustrations intérieures, dont celle-ci. Et on continue sur le movie avec les deux suivants. 94 toujours, il s'agit en fait d'une toute petite partie du storyboard du film. Ce genre de doujinshi existe également, et c'est donc la bonne occasion pour en parler. Si aujourd'hui on peut trouver tous les modèles sheet storyboard de l'animé, cela n'était probablement pas le cas à l'époque de l'apparition du fanzine. De 95, Satoko Kikuchi est une auteure de romans, amateur, et comme le titre de ce livre, Street Fighter 2 Movie Return, l'indique, il s'agit d'une suite du film. Il fait tout de même 200 pages, mais j'avoue n'avoir jamais essayé de le lire. On trouve aussi quelques illustrations de ci, de là, plus que correctes. 94. Des gags avec pas mal de tioki étrangement. On a vu mieux, mais on a vu bien pire aussi. 95. On va dire que c'est du semi-yaoi. Il n'y a pas de scène explicite à proprement parler, mais cela traite des sentiments confus de Ken à l'égard de Ryu. Assez réussi visuellement, cette fois on est dans un registre ultra sérieux. Datant de 96, à l'instar de certaines histoires de Mine Yoshizaki, celles qui composent cet album ont elles aussi été rééditées en manga pro, encore une fois je vous renvoie à la dernière vidéo, donc ce n'est pas trop grave si vous ne trouvez pas le présent d'Odinchi, même si on perdra sa belle couverture. Il ne contient toutefois pas que du Street Fighter, qui n'occupe même pas le quart de l'ouvrage. 1996. Celui-là part d'un concept très particulier. Il ne reprend ni le jeu ni l'animé, mais le manga de Masahiko Nakahira. Et le style graphique est assez proche en plus. Mais cela n'a vraiment d'intérêt que si on a déjà lu le manga auparavant. 98. Il regroupe de très nombreux gags, dont certains seront publiés en recueil pro, sur Street Fighter 0, Street Fighter 3, et même EX, et carrément un sur Street Fighter premier du nom. D'autres séries Capcom sont à l'honneur, mais c'est bien Street Fighter qui style la part du lion. C'est joli et assez drôle. Il y en aura un autre l'année suivante, sur Street Fighter 03, avec une étrange histoire mettant en scène Zangief et Sagat en livreur de la même. Au moins deux volumes sortis en 98. Le premier est une histoire sérieuse sur Gaël et Nash. Le second part dans un délire avec Skullomania de Street Fighter EX, qui enlève différents Street Fighter pour les transformer à son effigie. Plusieurs numéros sortis au plus tard en 96, mais lui, on en reparlera plus en détail dans la prochaine vidéo. Ici, il s'agit de trois histoires réparties sur 60 pages, qui mettent en scène conjointement les univers de Street Fighter et de Vampire. C'est pas mal fait dans l'ensemble, même si le graphisme n'est pas toujours bien maîtrisé. 1996, encore un grand format, ce qui est plutôt rare. Quelques gags, avant tout sur Sakura, mais 24 pages, ça fait pas beaucoup. C'est néanmoins très joli. Contre toute attente, il y a également eu des doujinshi sur les Street Fighter EX. Enfin, au moins 3 en tout cas, mais le premier est vraiment moche. Le second est pas terrible à ce niveau non plus, mais les gags sont drôles, et mettent parfois en avant le fait que le jeu est en polygone.
Le dernier se risque à mélanger les univers de Final Fight et de EX, ou plutôt du EX2, car Hayate y joue un rôle central. Hayate, sans doute un des deux ou trois persos les moins connus de la série. Hélas, c'est un peu trop vilain pour donner envie de s'intéresser au scénario. Alors bien entendu, il y a eu d'autres doujinshi sur Street Fighter après l'an 2000, mais franchement, leur nombre est ridicule. La grande période de Street Fighter en fanzine, c'est en gros de 92 à 94-95, avec un sursaut en 96 suite à Street Fighter 02, mais pour le reste, la licence est ensuite complètement, alors sinon tombée dans l'oubli, tout de moins ne faisait plus recette, sauf dans la catégorie des parodies pornographiques. Mais ça, petit fripon, on en parlera dans la prochaine vidéo.